Alors pour nous, la marque savoir-faire des îles du Ponant, elle va apporter beaucoup à notre entreprise, mais surtout à toutes nos îles, c'est-à-dire en termes d'emploi, en termes de savoir-faire, montrer aux autres qu'on sait faire et attirer bien sûr plein de nouvelles entreprises, plein de nouvelles personnes sur nos îles, quoi. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'était vraiment le regroupement des actifs. D'avoir une forme de réseau, de savoir se mettre en relation. Ça permet aussi de montrer la difficulté de l'insularité, puisque les réactivités sont beaucoup plus longues quand on a le passage de l'île sur le continent. Dans un monde où actuellement on recherche toujours un peu plus l'authenticité, le local, la qualité des produits, etc., nous on s'inscrit là-dedans. Donc je fais toute l'année mon travail ici dans mon atelier. Donc ce sont des choses qui ne viennent pas de l'autre bout du monde pour être vendues sur nos îles. Qu'on n'utilise pas le nom Molène ou le nom Ouessan ou le nom de telle île pour vendre, quand on le met sur nos produits, quand il y a ce logo-là, c'est vraiment, les gens sont garantis que c'est vraiment produit sur l'île. Par leur acte d'achat, les visiteurs permettent de développer les entreprises et de développer l'emploi, de pérenniser l'emploi aussi sur l'île, mais surtout de développer l'emploi. C'est agir pour la pérennisation des emplois sur les îles et la défense de la vie insulaire à l'année. Les gens qui font un effort de rester à l'année, qui ne viennent pas prendre que l'argent du touriste, alors je ne sais pas s'il faut dire ça, mais voilà, qui font l'effort de rester ouvert toute l'année. Ça nous donne une visibilité particulière qui montre qu'on peut fabriquer sur des îles des objets, des produits de qualité. C'est important quand on est insulaire d'avoir un vrai temps d'échange avec d'autres entrepreneurs qui sont également insulaires. Là, c'est justement un vrai temps de partage sur des problématiques qu'on peut avoir en commun pour trouver des solutions et permettre à nos différentes entreprises de se développer d'une façon pérenne et sereine.